Akela, le père loup, et Raksha, la mère louve, savaient que Shere Khan recherchait le petit humain. Ils l'ont donc pris dans leur famille. Mowgli, Romulus et Rémus sont autant d'orphelins recueillis par des louves. Mais ces récits fabuleux transcendent la légende. Tout comme l'espèce humaine, les animaux pratiquent l'adoption, chacun à leur façon, parfois sans ménagement. Chez l'homme, l'adoption peut combler un désir d'enfant ou être signe de générosité. Dans la nature, elle n'a pas forcément le même sens. La loi de la jungle est avant tout celle du chacun pour soi. En pénétrant cet univers, nous tenterons de découvrir pourquoi les animaux élèvent des jeunes qui ne sont pas les leurs. Est-ce un accident ou un acte altruiste ? Notre histoire débute au nord du Kenya, dans le parc national Samburu. Ici, pendant plusieurs années, une jeune lionne a adopté des bébés oryx. On l'a baptisée Kamuniak, ou « celle qui est bénie » en Samburu. Comme l'annonçait dans la Bible la prophétie d'Ésaïe, le lion et l'agneau coexistent pacifiquement. Leur duo est devenu symbole de paix. Mais ce comportement laisse perplexe les scientifiques. Habituellement, l'oryx est la proie des lions. Kamuniak, elle, protège la jeune antilope volée à ses parents naturels. Pourquoi un lion adopterait-il une antilope ? Cela n'a aucun sens en termes d'évolution puisque la survie de l'espèce dépend de la reproduction. C'est l'antithèse des idées défendues par Charles Darwin dans « L'origine des espèces ». Selon le père de la théorie de l'évolution, le but de chaque espèce est de transmettre ses propres gènes aux générations futures. L'oryx ne partage pas le patrimoine génétique de la lionne. En l'élevant, Kamuniak ne favorise pas son propre succès reproductif. Le temps et l'énergie consacrés à l'antilope sont gaspillés pour sa subsistance. Le comportement de Kamuniak est loin d'être isolé. Malgré le lourd coût de l'élevage des petits, on observe dans la nature de nombreux comportements que l'on peut assimiler à des adoptions. Expliquer l'adoption pourrait-il être le plus grand échec de la théorie de l'évolution ? Deux scientifiques israéliens, Eitan Avital et Eva Jablonka, étudient à Jérusalem le paradoxe de l'adoption dans la nature. Si vous aidez ou adoptez un petit qui n'est pas le vôtre, ou avec lequel vous n'êtes même pas apparenté génétiquement, vous gaspillez beaucoup de temps et d'énergie pour investir dans un petit qui n'est pas porteur de vos gènes. Et la théorie de l'évolution n'explique pas vraiment un acte qui constitue une perte de temps et d'énergie. Rendons-nous sur la terre des loups. Comme le suggère la fiction, le comportement nourricier est très courant parmi cette espèce. Les loups sont des animaux sociaux qui vivent en meute composée du couple reproducteur et de leur progéniture des années précédentes. La société des loups se caractérise par une division du travail. Les membres du clan partagent les tâches de chasse, de défense de la tanière et d'élevage des louvetons. La femelle reproductrice met bas au printemps dans une tanière souterraine. Tant que les louveteaux ont moins de 3 semaines, elle tient les autres membres de la meute à l'écart. À ce moment-là, seule la louve est entièrement dédiée à la satisfaction de leurs besoins.
Pendant l'étape de transition entre 5 et 10 semaines, les louveteaux passent du lait à une nourriture solide. À cet âge, ils apprennent à identifier ceux qui composent leur famille. Toute la meute s'occupe d'eux collectivement, y compris les jeunes adultes. Chaque loup leur fait un brin de toilette et s'assure qu'ils sont bien nourris. Leur développement physique et social progresse jusqu'à ce qu'ils puissent suivre les membres de la famille à la chasse. Quelle que soit leur place dans la meute, les loups peuvent s'emparer de la nourriture d'un autre. Chacun défend agressivement sa pitance. Mais les louveteaux font exception. Mâles et femelles sont extrêmement tolérants à leur égard. Les petits ont un accès illimité à la carcasse du cerf. Et lorsque les louveteaux ont encore faim, ils demandent de la nourriture en léchant le museau des adultes. Si son estomac est plein, le loup ainsi sollicité régurgitera des aliments pour le petit. Pourquoi ces loups adultes s'occupent-ils de leurs jeunes frères et sœurs? Ayant atteint leur maturité sexuelle, ils pourraient mettre au monde leur propre progéniture. Il semblerait que ces jeunes loups aient peu de chances d'élever avec succès une portée à eux. L'habitat des loups est si rude qu'ils ont intérêt à demeurer sous la protection des parents. Alors en attendant de s'en sortir tout seuls, ils aident la fratrie. Mais cet arrangement leur apporte aussi un bénéfice. Leurs gènes sont transmis par le biais de cette parenté. Aider sa famille pour propager ses gènes fonctionne aussi chez les oiseaux. On a repéré des assistants maternels parmi plus de 150 espèces dans des conditions sociales et écologiques très variées. Nous voici près de Canberra, dans l'est de l'Australie. Le bois d'eucalyptus du parc Campbell abrite une espèce d'oiseau au comportement singulier, les craves d'Australie. Contrairement à la plupart des jeunes oiseaux quittant le nid dès qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes, ceux-ci restent auprès de leurs parents jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans. Tous les membres du groupe se relaient pendant l'incubation, puis pour alimenter les poussins. Ces oiseaux se nourrissent d'insectes et de graines qu'ils dénichent dans les litières d'herbes et de feuilles. En raison de régulières sécheresses, la nourriture se fait rare. Dans ces âpres conditions, la solidarité familiale semble être la plus adéquate des stratégies parentales. Ces parents craves seraient incapables d'élever une nouvelle couvée sans assistance. Il faut au minimum 7 oiseaux pour élever plus d'un jeune par an. Comme chez les loups, les perspectives reproductives sont faibles pour les jeunes. Tant qu'ils ne sont pas matures, favoriser la survie de leur fratrie pourrait être le plus sûr moyen de transmettre leurs gènes. Quand ils seront adultes, d'autres jeunes les assisteront à leur tour. C'est ce que les biologistes appellent l'altruisme réciproque. Vous me faites une faveur et je vous en fais une en retour. Selon Eva Jablonka, ils auront acquis d'ici là une plus grande expérience des soins parentaux. En prodiguant des soins,
Les assistants exercent leurs compétences parentales et deviennent ainsi plus habiles et meilleurs parents quand ils procréent à leur tour. Ils ne sont donc pas en train de diminuer leur propre succès reproductif. Au contraire, ils l'améliorent. Jusqu'ici, tout va bien. La théorie de l'évolution semble s'appliquer si les parents de substitution sont de la famille du petit adopté. Mais qu'en est-il lorsque ce n'est pas le cas? Ces petites rousserolles des roseaux s'occupent d'un jeune coucou. Leur bébé adoptif a tellement grossi que le nid supporte difficilement son poids. Le nourrir et le soigner leur demande de lourds efforts. Non seulement ce petit ne leur est pas apparenté, mais il a de surcroît éliminé leur propre descendance en éjectant les œufs hors du nid. Du point de vue du coucou, l'opération est un véritable succès. Mais pourquoi ses parents adoptifs dépenseraient-ils toute leur énergie à élever ce meurtrier? Ça n'a pas de sens, selon Darwin. En réalité, les parents adoptifs ont été bernés. Un coucou adulte a déposé un de ses œufs dans leur nid en profitant de leur inaptitude à reconnaître leur propre progéniture. Dans la nature, cette mésaventure survient fréquemment, et pas toujours de la part des parents. Si une véritable adoption implique une identification, alors il nous faut comprendre comment les animaux distinguent leurs petits des autres. Lauréat du prix Nobel, le naturaliste Konrad Lorenz, fut l'un des premiers à travailler sur cette question dans l'Autriche des années 30. Depuis son plus jeune âge, les oies passionnaient Lorenz. Petit garçon, il voulait devenir l'une d'entre elles. N'y parvenant pas, il décida d'en élever et entreprit de dévoiler les mystères de leur comportement. Avec son collègue Oscar Heinroth, il nomma empreinte le processus d'apprentissage qui a lieu très tôt dans la vie de l'oison. À leur naissance, les oisons suivent naturellement leur mère, la première chose mouvante aperçue. Et si ce n'est pas leur mère, mais un homme, eh bien ils le suivent quand même. Konrad Lorenz est ainsi devenu cette maman de substitution qu'ils accompagnent partout. La période succédant à l'éclosion est donc cruciale. Les poussins s'attachent à leurs parents et les parents identifient leurs poussins. Les femelles imprègnent leurs petits par la vocalisation et des signaux chimiques. Le résultat, une famille heureuse. L'adoption dans le monde animal ne serait-elle finalement que le fruit d'une erreur d'identification? En tous les cas, des études montrent que l'adoption tourne rarement en faveur de l'adopté s'il est identifié comme étranger. C'est le cas chez plusieurs espèces, les lions, les singes langourds ou les étourneaux. Observons de plus près ce qui se passe chez ces oiseaux grégaires vivant au sein de foules immenses. Comme la plupart des volatiles, les étourneaux sont monogames. Ils nichent au sein de colonies ou en couples isolés, dans les trous des arbres ou d'un simple mur. La femelle pond entre 5 et 7 œufs que les deux partenaires couvent tour à tour. Le couple s'occupe des poussins à deux, tant que rien ne brise cet équilibre. Les étourneaux sont la proie de redoutables prédateurs qui partagent leur territoire. Les entours des palombes chassent le plus souvent dissimulés à l'affût dans les branchages.
Notre femelle est maintenant veuve. Un autre mâle ne tarde pas à lui faire la cour. Elle feint tout d'abord l'indifférence, mais il s'obstine. Il a bientôt gain de cause et s'accouple avec elle. Cela ne veut pas dire que le nouveau maître du nid va adopter la descendance de son prédécesseur. Il n'est pas le géniteur des œufs existants et commet un infanticide en les jetant hors du nid. Au lieu d'attendre que les poussins de la couvée précédente prennent leur envol, le mâle les tue et provoque ainsi une ovulation de la femelle. Sa stratégie a fonctionné. Sa partenaire a produit une couvée de remplacement dont il est le géniteur. Parallèlement, pour l'espèce humaine, deux psychologues canadiens, Daly et Wilson, ont fait une troublante découverte. Avant 2 ans, les enfants élevés avec des beaux-parents seraient 100 fois plus susceptibles de mourir de mort violente que ceux vivant avec leurs parents naturels. Les beaux-parents sont traditionnellement dépeints comme cruels, mais Ethan Avital est prudent concernant le lien entre l'infanticide humain et nos origines animales. Lorsqu'un lion mâle tue les petits d'une femelle parce qu'ils ne sont pas les siens, mais ceux du précédent mâle du groupe, c'est une adaptation. Mais si un père de substitution chez les humains blesse d'une façon ou d'une autre un enfant qui n'est pas le sien, il n'en tirera aucun bénéfice. Il n'aura pas plus d'enfants pour autant. Si l'homme vivait encore dans une situation naturelle, cet acte pourrait être bénéfique, mais ce n'est plus le cas. Pour l'homme, il n'y a plus de continuité. Tandis qu'un animal peut perpétuer sa lignée de cette façon, aujourd'hui, un beau-père abusif finirait en prison. Dans le monde des babouins, il en est tout autrement. D'après ce que nous savons, les cas réels d'adoption hors du cercle familial sont rares chez les primates. On trouve surtout des cas de ce que l'on pourrait nommer adoption forcée. Il débute souvent par l'enlèvement d'un jeune, puis se transforme en adoption à long terme. Dans les sociétés de primates, les bébés se révèlent être des outils politiques et sociaux importants. Ici, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, quelques 400 babouins hamadrias vivent à proximité de la ville de Taïf, dans le massif Sarawak. Ils rôdent autour d'une décharge où ils viennent régulièrement chercher de quoi se nourrir. Les babouins partagent ce domaine avec un groupe de chiens sauvages. Ces singes disposent d'un système social organisé autour des adultes mâles. Chaque babouin possède son propre harem. Il veille jalousement sur ses femelles, s'assurant par la force qu'elles restent sous son contrôle. Le mâle dominant passe la plupart de son temps à surveiller de près ses femelles, surtout celles qui sont en chaleur. La hiérarchie des femelles correspond à leur ordre d'arrivée dans le harem. Lorsqu'un mâle adulte trouve une femelle à sa convenance, il l'épouille pour tisser des liens affectifs. Les femelles conçoivent des petits et le babouin consolide ainsi son groupe. Pour posséder une femelle, les jeunes mâles doivent entrer en concurrence avec leurs congénères. De violents combats éclatent quand un mâle tente de s'éclipser avec la belle d'un autre. «
À pleine maturité, un adulte peut peser quelque 25 kilos, soit le double du poids d'un adolescent. Voilà pourquoi les jeunes mâles essaieraient rarement de voler les femelles des mâles dominants pour constituer leur harem. Ils se fixent une cible plus facile. Ravir des bébés à leur mère. Cette mère éplorée désire récupérer son petit, mais elle n'ose pas se confronter au mâle. Elle appelle son groupe à l'aide, mais personne ne vient vers elle. Ce bébé de 4 mois est en fait un jeune mâle, mais quand il s'agit d'un bébé femelle, l'enlèvement se transforme souvent en adoption permanente. Le mâle prend alors soin de la petite jusqu'à ce qu'elle soit sexuellement mature. Elle deviendra la femelle dominante de son harem. Malgré tout, cette mère ne perd pas espoir. Elle attend que le mâle relâche sa garde. Elle détourne son attention en lui faisant des avances sexuelles. Mais c'est un piège. Et elle attrape son bébé. Cette fois-ci, l'adoption a échoué. La volonté de créer une famille est une pulsion irrépressible. Serait-elle responsable de comportements étranges ? Dans le massif sarawak se déroulent d'autres kidnappings. Les babouins adoptent des chiens. Ces incidents sont un reflet des enlèvements juvéniles. Ils débutent de la même façon. Par le vol des chiots. Après cet épisode violent, les chiots grandissent au sein de la famille de babouins. Ils se nourrissent avec eux à la décharge, escortent le groupe et dorment même à leur côté. On voit même les babouins épouiller les chiens et jouer avec eux. Un signe de leur complète intégration, car les babouins ne s'épouillent qu'entre membres de la même famille. Les chiens deviennent un peu les animaux de compagnie des singes. Ils défendent leur famille adoptive contre les autres chiens et, la nuit venue, montent la garde. Ces enlèvements possèdent une fin heureuse. Loin des montagnes d'Arabie Saoudite, dans le centre de recherche sur les primates des Caraïbes, le kidnapping des bébés s'achève souvent plus tragiquement. Les mères macaques de l'île Cayo Santiago, au large de Puerto Rico,
doivent protéger leurs petits de l'instinct maternel débordant des autres femelles. Dario Mastripieri de l'Université de Chicago est spécialiste du comportement maternel chez ces singes. Leur intérêt pour les nourrissons débute très tôt. À l'âge d'un an, les jeunes femelles sont déjà très intéressées par les bébés, alors que les jeunes mâles ne s'intéressent pas du tout aux nourrissons. Et l'intérêt des femelles demeure élevé tout au long de leur existence. Le fait qu'elles soient jeunes ou vieilles, enceintes ou mères d'un nourrisson n'a aucune importance. Elles aimeront toujours les bébés et saisiront l'opportunité d'en approcher un, de le toucher et d'interagir avec lui. Les mères macaques ne sont pas favorables à ces interactions car elles risquent de se transformer en enlèvement. Les femelles agitent leur queue et émettent des grognements et des babillages en s'approchant des nourrissons. Ces signaux amicaux sont destinés à rassurer les mères, à les rendre plus tolérantes. La société des macaques s'organise autour de groupes de femelles. Les femelles dominantes, leurs filles et petites filles, forment le sommet de cette pyramide hiérarchique. Les petits se rangent immédiatement derrière leur mère. Placée à la base de cette pyramide sociale, cette femelle sans enfant convoite les nourrissons des autres. Sa tentative d'enlèvement avorte. En voyant approcher la mère du bébé, elle le pose à terre. Puis va saluer le bébé de la femelle dominante en remuant la queue et en vocalisant. Elle est loin d'être la seule à s'intéresser aux nourrissons. Pendant 3 mois chaque année, la vie de cette société de macaques tourne exclusivement autour des bébés. Les mâles, eux, ne s'en soucient guère. Ils les évitent même soigneusement, ainsi que leur mère. Ils n'ont rien à faire, si ce n'est attendre la prochaine saison des amours. L'instinct maternel de ces singes est extrêmement développé. Le bébé de cette mère est mort depuis plusieurs jours déjà, mais elle se refuse à le lâcher. La forte pulsion maternelle des femelles est nécessaire car leurs bébés naissent incompétents. Pour survivre dans la nature, ils ont besoin d'une constante attention. Les macaques sont sélectionnés pour leur capacité à prodiguer ces soins. Vouloir toucher, enlacer ou parfois adopter les bébés pourrait être une conséquence de ce puissant instinct. L'adoption permanente, qui voit un nourrisson adopté et élevé de façon durable par un individu autre que sa mère, est très rare. D'un point de vue évolutif, c'est probablement un accident, une erreur. Cela pourrait être le produit du fait que les femelles, comme nous l'avons dit, sont très intéressées par les bébés et que, parfois, elles ne manquent pas une opportunité d'élever un autre nourrisson qu'elles ont vu abandonner. Cette sensibilité élevée vis-à-vis des nourrissons permet à ces femelles de faire de bonnes mères. Mais cette médaille a un revers. Le bien-être des bébés n'est pas toujours le premier souci des jeunes, un peu comme si elles jouaient à la poupée. Comme chez les babouins, être manipulé par d'autres individus est source de risques majeurs pour les nourrissons. Pour cette raison, les femelles macaques sont extrêmement vigilantes. Elles essaient en général d'éviter que les autres femelles, même celles de rang élevé, ne se saisissent de leur bébé. Quand elles échouent, les conséquences peuvent être fatales.
Cette jeune femelle de 2 ans est la demi-sœur de ce nouveau-né. Elle a réussi à subtiliser le bébé à sa mère. Mais elle n'est pas à son aise, craignant peut-être les représailles de la part des autres femelles du groupe. Une issue tragique menace son envie de jouer à la maman. La face du petit est couverte de coupures et de bleus, preuve qu'elle ne sait pas encore comment le porter. Et surtout, sans lait, elle est incapable de le nourrir. Cette mère maladroite a sans doute amélioré sa compétence parentale, mais cette adoption est un désastre pour le bébé. Il mourra d'ici quelques jours, à moins que sa mère biologique ne réussisse à le secourir. Dans le règne animal, l'adoption est souvent vue comme une aberration. Cependant, dans le centre de la Pologne, un comportement récemment analysé fait exception. Chaque année au printemps, des centaines de goélands cendrés rejoignent les îles clairsemées de la rivière Vistula. Après avoir hiverné en Europe de l'Est, ces goélands retournent là où ils sont nés pour s'y reproduire. Ces oiseaux grégaires nichent au sein de colonies qui comptent jusqu'à 100 individus. Durant les derniers jours d'avril, les femelles pondent entre 1 et 3 œufs. Après une vingtaine de jours d'incubation, les deux premiers poussins éclosent à quelques heures d'écart. Le troisième œuf, lui, peut éclore 1 à 2 jours plus tard, ce qui, nous le verrons, est un réel désavantage. Monika et Dariusz Bukaczynski travaillent au Centre polonais de recherche écologique. Depuis plusieurs années, ils étudient les habitudes reproductives de ces oiseaux. Pour suivre la piste des poussins, ils marquent la tête de l'aîné d'une couleur jaune et celle du second de rouge. Enfin, le dernier né se voit teinté de bleu. Les poussins sont couvés pendant une semaine. L'un des parents les surveille jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour voler. Pendant cette période d'apprentissage, ils restent près du nid où ils sont nourris. Le problème du poussin bleu débute là. Ses frères aînés ont une tête d'avance, plus fort que lui, ils sont toujours les premiers rassasiés.
Si la saison est pauvre en nourriture, les chances de survie du Benjamin sont minces. Pire encore si ses parents sont inexpérimentés. Le poussin bleu ne fait que picorer les restes. Ces derniers-nés abandonnent fréquemment leurs parents. Ils quittent le nid et partent en quête d'une nouvelle famille d'accueil dans la colonie. Cet orphelin sollicite lui-même l'adoption. Un phénomène rarissime dans la nature et lourd de conséquences car son périple n'est pas sans péril. Il pourrait être capturé par un oiseau de proie, emporté par la rivière, voire même dévoré par d'autres goélands. Les moitrieuses voisines des goélands cendrés sont particulièrement agressives envers les poussins étrangers. Notre poussin a trouvé une nouvelle famille dans les dunes. La question est de savoir s'il sera accepté par ses frères et sœurs adoptifs, mais surtout par leurs parents. Il hésite avant d'approcher. Ce couple ne lui est pas familier. Mais sa tentative d'intégration semble réussie. Il est nourri parmi les autres poussins. Ce phénomène est loin d'être unique chez les goélands cendrés. Monica et Darius ont observé chaque année un tel nombre d'adoptions que, selon eux, il ne peut s'agir de simples méprises. Il apparaît que dans le cas des goélands cendrés, l'adoption est adaptative, car il est difficile de croire qu'un phénomène qui se produit à une telle fréquence dans ces colonies soit le fruit du hasard. La structure génétique des goélands cendrés a révélé des relations de parenté parmi ces colonies d'oiseaux. Elles pourraient favoriser l'adoption et signifier que ses bénéfices sont supérieurs à son coût. Ce comportement d'adoption chez ces oiseaux passe de génération en génération. Comment pourrait-il être transmis ? Est-ce génétique ? Est-ce acquis ? Tout comme les cycles d'abus sont répétés dans les familles, certains scientifiques, tels qu'Eva Jablonka, pensent que la tolérance pourrait être transmise aux jeunes par ses parents. Ces poussins étrangers ne vous dérangent pas. Vous n'êtes pas très agressif avec eux. Vos poussins voient ce comportement et quand ils grandiront, ils seront eux-mêmes plus tolérants vis-à-vis des poussins étrangers. Ou par exemple, si vous enlevez activement des jeunes, ce comportement de kidnapping sera aussi socialement appris par vos petits, qui doivent l'observer pour l'expérimenter, s'ils doivent le pratiquer plus tard dans leur vie. Si les poussins apprennent ce comportement de leurs parents, que se passe-t-il si l'on place un œuf de moitrieuse dans le nid d'un goéland cendré? Les Bukasinski sont en train d'expérimenter cette hypothèse. Devenues adultes, les moitrieuses seront-elles tolérantes envers les poussins? Auront-elles assimilé l'art de l'adoption pratiqué par leurs parents d'accueil? Pour le savoir, rendez-vous dans quelques années. Chez l'homme comme chez l'animal, le désir de fonder une famille est un instinct puissant. Mais l'histoire non achevée des goélands cendrés laisse une question en suspens. Peut-on parfois considérer l'adoption comme un acte de bonté? Peut-elle être vraiment altruiste? Darwin lui-même s'est intéressé à l'altruisme des insectes sociaux. Leur observation avait presque sabordé sa théorie de l'évolution. Chez les abeilles, les fourmis et les guêpes, certains membres de la communauté consacrent leur vie entière à élever la progéniture de quelqu'un d'autre. Les guêpes polistes construisent des nids avec de la pâte à papier. Elles vont chercher du bois, le mâchent, puis avec cette matière construisent des alvéoles hexagonales. Un nouveau nid est fondé au printemps par une ou plusieurs femelles. L'une de ces femelles occupe la position dominante et devient la reine. Paraissant plus grosse, elle est la mère des femelles ouvrières et se spécialise dans la ponte des œufs.
C'est la tâche principale de la reine qui quitte rarement le nid. Les ouvrières, toutes femelles, construisent et entretiennent le nid, mais leur priorité est d'élever les petits de la reine. S'occuper de cette nurserie est une rude corvée. Les guêpes polistes sont des prédateurs. Elles chassent des insectes, les broient, puis les régurgitent pour alimenter les larves. Elles livrent aussi des gouttelettes d'eau à l'entrée de leurs alvéoles. Puis elles battent des ailes pour créer un courant d'air frais. L'eau s'évapore et soulage les larves de la chaleur estivale. On ne peut pas dire que ces mères de substitution ne payent pas de leur personne pour élever ces jeunes. Darwin justifiait l'altruisme des insectes sociaux comme un soutien à la famille élargie. Leur sacrifice n'est pas une perte de temps. Sa théorie est donc sauve. Le professeur Stefano Turilazzi, spécialiste des insectes sociaux à l'Université de Florence, nous explique pourquoi. Le comportement altruiste est celui d'un animal qui renonce à sa propre reproduction pour augmenter la reproduction d'un autre individu. Dans le cas des ouvrières, elles ont un lien de parenté plus fort avec leurs sœurs, c'est-à-dire les filles de la reine, qu'elles n'en auraient avec leurs propres enfants. Et cette situation fait que, d'un point de vue évolutif, les ouvrières préfèrent renoncer à leur propre reproduction pour aider leur mère à élever leurs sœurs en plus grand nombre. Comme les loups et les craves, les guêpes cèdent elles-mêmes en assistant leur reine. Leurs gènes seront transmises à la prochaine génération. Pourtant, même si elles se sacrifient à une échelle massive pour les générations futures, on ne peut pas dire que ces actes altruistes soient délibérés. La bonté intentionnelle est difficile à détecter dans la nature. Pour démontrer qu'elle existe, il faut prouver qu'un animal peut se mettre à la place d'un autre. On pense que certains animaux intelligents, les chimpanzés et les dauphins par exemple, font preuve d'empathie. Ils comprennent que d'autres peuvent éprouver des désirs, des peurs ou des souffrances, comme les leurs, et réagir en fonction. À Rangiroa, dans l'archipel polynésien des Tuamotu, vit une communauté sédentaire de dauphins turciops. Ils forment une société hiérarchisée faite de sous-groupes, les femelles et les bébés, les mâles et enfin des groupes mixtes de jeunes. Les requins à pointe blanche sont parmi leurs plus dangereux prédateurs. À la première occasion, ils attaqueront et tueront les bébés turciops. Les dauphins mâles sont conscients de cette menace. Une patrouille se forme pour éloigner le requin du groupe de femelles et de nouveau-nés. Les dauphins harcèlent le requin à plusieurs. Leur stratégie est de le désorienter en nageant autour de lui dans toutes les directions. Leurs efforts coordonnés portent enfin leurs fruits et le requin à pointe blanche abandonne la partie. Un comportement complexe comme celui-ci semble indiquer que les turciops ont une compréhension des autres. Ils sont sensibles à leur vulnérabilité et agissent en conséquence. Un étrange incident observé parmi cette communauté de Rangiroa va dans le sens de cette supposition. De temps en temps, des sténelles à long bec
quittent leur habitat du grand large pour pénétrer les eaux côtières des Tursiops. On les distingue par leur petite taille, leur rostre plus allongé et des flancs teintés de blanc. Une jeune sténelle a été découverte parmi cette communauté de Tursiops. Elle a peut-être perdu son groupe lors de la traversée des eaux de Rangiroa, ou bien a été enlevée par les dauphins Tursiops. Dans tous les cas, privée de sa mère, elle n'aurait pu survivre longtemps toute seule. Les dauphins semblent l'avoir adoptée. Les émissions sonores de la sténelle ne sont pas les mêmes que celles des Tursiops. Alors cette jeune communique avec sa nouvelle famille grâce au langage du corps. Malgré leurs différences physiques et culturelles, cette sténelle a été prise en charge par les Tursiops qui la soignent et l'élèvent. Elle s'est même adaptée aux eaux côtières si différentes du grand large. Regardez ces dauphins, il semblerait bien que l'Homo sapiens ne soit pas la seule espèce capable de prendre en charge le bien-être d'un orphelin. Notre histoire s'achève sur le territoire des bonobos, nos plus proches parents génétiques avec les chimpanzés. Le seul pays où ils subsistent encore à l'état naturel est la République démocratique du Congo. Cette espèce en voie de disparition vit en large groupe dans une petite zone de forêt vierge sur la côte sud du fleuve Congo. Suite aux guerres dans la région des Grands Lacs, nous ne savons pas combien de bonobos vivent encore ici. Ils continuent d'être illégalement chassés pour leur viande et capturés comme animaux domestiques. Dans la société bonobo, les femelles ont une position dominante et jouent un rôle central au sein du groupe. L'affection maternelle et le contact physique sont cruciaux pour le bien-être psychologique des bonobos. Dans cette société matriarcale, le pouvoir des mâles est déterminé par la position de leur mère. Ils dépendent d'elle durant l'enfance, mais aussi tout au long de leur vie. Il y a quelques années, un orphelinat a été ouvert à proximité de la capitale Kinshasa pour recueillir les jeunes singes confisqués aux chasseurs. À son arrivée, chaque bébé est confié à une nourrice humaine. Car sans contact régulier avec une femelle de leur propre espèce ou des humains, les jeunes bonobos se laisseraient dépérir. En véritable mère d'accueil, ces femmes congolaises tissent de solides liens affectifs avec les orphelins. C'est un moment déterminant pour la survie des jeunes bonobos. S'ils adoptent leur mère de substitution, cela signifie qu'ils ont de grandes chances de survivre. Les bébés apprécient cette attention de tous les instants. Mais cette adoption n'est que temporaire. Le but de ces femmes est de donner aux singes la force de réintégrer ensuite le groupe des adultes. Un tel don de soi a longtemps paru opposé à la férocité du monde animal. Pourtant, comme nous l'avons vu chez les dauphins, certains comportements adoptifs peuvent être qualifiés d'altruistes. Comment ça dormit ? Regarde la maman. Petit seul, c'est magnifique. C'est quoi ça ? Qui vraiment Loin de réfuter la théorie de l'évolution,
Les comportements d'adoption la rendent encore plus riche et fascinante. Preuve que la loi de la jungle est compatible avec l'existence de coopération, d'entraide, voire de sacrifice.